En manchette, aujourd'hui, la municipalité de l'Île-du-Pas appuie plusieurs organismes en ce début d'année. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 18 janvier. En début de semaine, le 16 lundi, le conseil municipal de la visitation de l'Île-du-Pas, j'ai dit lundi, mais c'est mardi, donc le 16, le conseil municipal de l'Île-du-Pas se réunissait, première assemblée de l'année. Évidemment, il y avait plusieurs points à l'ordre du jour, on en a retenu quelques-uns. Il y a été, entre autres, question d'appui financier là, de différents organismes, différents groupes de la région qui sont adressés à la municipalité. On va écouter le maire Alain Goyette nous résumer ses contributions que la municipalité désire apporter pour supporter ces organismes. On se déplace au conseil municipal de la visitation de l'Île-du-Pas. Demande d'appui financier École Pierre de l'Estage. Considérant la lettre datée du 22 novembre 2023 de Mme Laurie Généreux et de Mme Caroline Guilbeault de l'École secondaire Pierre de l'Estage, dans laquelle demande est faite à la municipalité de visitation de l'Île-du-Pas une demande d'appui financier pour la réalisation de l'album des 500 2023-2024. Les proposés par appuyé par est résolu d'autoriser un appui financier de 100 $ dans le cadre de la réalisation de l'album des 2023-2024 de l'École secondaire Pierre de l'Estage. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Grondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 5.4, demande de don. Groupe Entraide dans toute amitié. Considérant la lettre datée du 10 novembre 2023 de Mme Linda Robillard et de Mme Julie Tétrault du groupe d'entraide dans toute amitié, dans laquelle demande est faite à la municipalité de visitation de l'Île-du-Pas une demande de don pour le service de dîner pour les écoles primaires du chemin du roi à Berthierville. Considérant qu'il y a actuellement 50 enfants inscrits au repas chaud à raison de 3 fois par semaine, considérant que les besoins sont grands et en augmentation, et qu'au vu de l'inflation, de plus en plus de familles ont des difficultés à arriver financièrement et que trop d'enfants ne mangent pas suffisamment à la maison, considérant que les membres du conseil municipal désirent encourager les objectifs poursuivis par le groupe d'entraide en toute amitié et lui témoigner leur support, il est proposé par appuyé par et résolu d'accorder un don de 500 $ au groupe d'entraide en toute amitié pour le service de dîner pour les écoles primaires Chemin du Roi de Berthierville. Que cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02-701-90-970. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. François Trinville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Trinville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Oui. 5.5, demande d'aide financière, centre de prévention du suicide de la Nadière. Considérant une communication reçue en date du 9 novembre 2023 de Mme Isabelle Ouellette, présidente du Centre de prévention du suicide de la Nadière, concernant une demande d'aide financière afin que l'organisme puisse offrir la formation continue à ses intervenants. Considérant que le Centre de prévention du suicide de la Nadière est le seul organisme mandaté par le CIS de la Nadière pour agir spécifiquement en prévention du suicide et pour répondre à la ligne 1866 appel dans la région, les proposés par appuyé par est résolu d'autoriser une contribution financière de 100 $ dans le cadre de la formation continue aux intervenants par le Centre de prévention du suicide de la Nadière. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. André Rondeau propose. M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Point 1, demande de financement de la CIRBI. Considérant la lettre d'octobre 2023 de M. Jean Castonguay, président de la CIRBI, dans laquelle demande est faite à la municipalité de la visitation de l'Île-du-Pas une demande de commandite afin d'appuyer leur participation au développement touristique régional, et ce pour une somme de 2 000 $. Considérant qu'étant un OBNL, la CIRBI se doit de gérer rigoureusement son budget afin de mettre en valeur un paysage exceptionnel en bordure du Saint-Laurent, ainsi que la conservation des milieux humides depuis plus de 35 ans et qu'elle offre un accès libre aux installations tout au long de l'année. Considérant que la CIRBI est un OBNL important au niveau touristique, considérant que les crédits sont disponibles au budget de 2024, les proposés par appuyé par est résolu que la municipalité de la visitation de l'Île-du-Pas commandite la CIRBI pour une somme de 2 000 $ afin d'appuyer leur participation au développement touristique régional. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Jacinthe Trinville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Serge Boucher seconde.
Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.2, demande de contribution financière, corvée de nettoyage. Entendu la correspondance de la part de la Société de recoudrice Paul Berthier, requérant une demande de contribution financière visant la planification et la réalisation d'une quatrième année de corvée de nettoyage à l'archipel du lac Saint-Pierre, attendu que les membres du conseil municipal désirent encourager les objectifs poursuivis par la Société de recoutourisme Paul Berthier et lui témoigner leur support, considérant que les crédits sont disponibles à cet effet, les proposés par appuyé par est résolu que le conseil de la municipalité de Visitation de l'Édupas attribue un montant de 750 $ à la Société de recoutourisme Paul Berthier concernant la demande de contribution financière pour les corvées de nettoyage à l'archipel du lac Saint-Pierre. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Grinville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.3, dépôt d'une demande de pacte rural. Société de récréotourisme Pont-Bertier, demande de contribution financière. Attendu la correspondance de la part de la Société de récréotourisme Pont-Bertier, requérant une demande de contribution financière pour l'année 2024. Attendu que les membres du conseil municipal désirent encourager les objectifs poursuivis par la Société de récréotourisme Paul Berthier et lui témoignent leur support, considérant que les crédits sont disponibles, les proposés par appuyé par est résolu que le conseil de la municipalité de la Visitation de l'Édupas attribue un montant de 2000 $ à la Société de récréotourisme Paul Berthier concernant la demande de contribution financière. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jacinthe Rondeau propose. André Rondeau. Seconde, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.2, demande d'aide financière, Club Fadoc de l'Île-du-Pas. Considérant la lettre de Mme Diane Bonnet, présidente du Club Fadoc de l'Île-du-Pas, dans laquelle demande est faite à la municipalité de Visitation de l'Île-du-Pas, une demande d'aide financière pour la location du sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola. Considérant que le but de la FADOC est de créer une vie sociale agréable aux personnes aînées sur notre territoire et ainsi contribuer à conserver et améliorer leur qualité de vie en s'amusant. Considérant qu'annuellement, les frais de location pour offrir la diversité et leurs activités s'élèvent à 4 150. Considérant que la municipalité adhère aux valeurs et à la mission de la FADOC et désire promouvoir un vieillissement actif de ses citoyens, considérant que les crédits sont disponibles, les proposés de part, appuyés par et résolus. Que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas octroie une aide financière pour une somme de 1 000 au Club Fadoc de l'Île-du-Pas pour la location du sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola pour l'année 2024. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Serge Boucher propose. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Merci. On rappelle qu'une des priorités de CTRB, votre télévision locale et régionale, est d'assurer la couverture des conseils municipaux, vos conseils municipaux. Et l'Île-du-Pas est le dernier conseil en liste à s'ajouter à la liste des conseils municipaux que nous diffusons sur nos ondes. On rappelle la ville de Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Lanoraie, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Cuthbert, la MRC et maintenant, en 2024, s'ajoute la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas, donc une couverture municipal là, du Grand Berthier, quasi mur à mur. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes, un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles-Villeneuve,
le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Ce 18 janvier, les filles d'Isabelle de Berthier désirent souhaiter bonne fête à Lucie Bédard. C'est votre anniversaire aujourd'hui, hein, ce 18 janvier. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. En deuxième partie de bulletin, on vous présente justement la deuxième partie de l'entrevue que nous a accordée tout récemment Jean-Marie Lapointe, qui est ambassadeur de la Fondation Jean Lapointe. Il est question dans cette rencontre entre Daniel Yvon de CTRB et M. Lapointe du fameux défi 28 jours sans alcool. Particularité, cette année, on parle de 29 jours, puisque le mois de février en comptera un de plus. Une année bisextile, donc 29 jours en février, mais c'est le défi 28 jours là, pour ne pas se mêler. On écoute la deuxième partie de cette entrevue que nous a accordée Jean-Marie Lapointe. Mais en même temps, il y a énormément de travail à faire, d'autant plus qu'on a légalisé le cannabis. L'alcool est légal depuis longtemps, mais on s'entend que c'est des substances, surtout l'alcool. Les dernières études démontrent que c'est pas très bon pour ta santé, une bonne consommation d'alcool. On ne parle pas du verre de vin par semaine, là, mais on parle d'une personne qui consomme régulièrement. Il n'y a rien de bon pour ta santé. Puis pour moi qui le dis, c'est la science qui le dit, c'est les études qui le disent. Donc, on est tellement habitué de fumer une cigarette, fumer le cannabis, fumer l'alcool, boire de l'alcool, que c'est rendu banal. C'est ça le piège. Puis quand on dit c'est rendu banalisé, c'est rendu normal, c'est là que des fois qu'on se fait prendre au piège. C'est ça. Autre question, ben, je ne sais pas si c'est au niveau des statistiques, au niveau de la fondation et tout. Après le mois, justement, sans alcool, est-ce qu'il y a une recrudescence de demandes d'aide? Je ne sais pas. Est-ce que vous sentez, écoutez, là, si tu me parlais que la fondation ou ouais, de la maison Jean Lapointe, est-ce que vous vous préparez dans ce temps-là à donner l'argent ramassé et tout de suite utilisé? Parce que, écoutez, là, la maison, je ne veux pas dire à déborde, mais tu comprends ce que je veux dire? Les demandes d'aide, les demandes de thérapie tombent, on dirait, dans cette période-là, plus élevées, là, plus, une plus forte demande ou je ne sais pas comment ça se passe, c'est ça, je veux savoir un peu. Est-ce que ça. Il y a des gens. Très bonne question. Je ne pourrais pas te répondre, Daniel. Il faudrait que tu demandes à ma sœur, Anne-Élisabeth, qui est la directrice de la maison Jean-Lapointe. Elle pourrait regarder un calendrier annuel puis de voir est-ce qu'il y a des pics, est-ce qu'il y a des périodes dans l'année où les gens rentrent en thérapie. Ça se peut, je ne pourrais pas te le dire, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui, durant le temps des fêtes, ont peut-être exagéré leur consommation d'alcool parce qu'il y a souvent un arrêt de travail pendant une semaine, deux semaines, on arrête de travailler et c'est là qu'il y a les parties de famille, c'est là qu'il y a les fêtes, c'est là qu'il y a les repas arrosés. Est-ce qu'il y a des gens qui rentrent plus en thérapie en janvier, en février? Ça se pourrait, je ne pourrais pas te dire. Ça peut être logique de penser que oui, mais je n'ai pas les données pour ça. Par contre, je le sais qu'il y a des gens, puis nous, à chaque année, puis c'est une tradition qu'on avait avec mon père, il y a 40 ans, quand la maison a ouvert ses portes, le premier Noël que mon père est allé voir les résidents qui étaient en thérapie, je l'avais accompagné. Et c'était assez bouleversant de voir que des gens, pendant les fêtes, avaient pris la décision d'aller en thérapie pour se soigner, pour arrêter de consommer, pour demander de l'aide. Et alors que, waouh, ils sont là pendant 3-4 semaines, loin de leur famille, loin des cadeaux, loin de leurs enfants. Moi, j'étais un jeune adolescent à ce moment-là, ça m'avait bien gros marqué. Alors, je me dis, la souffrance ne prend pas de vacances, hein? L'alcoolisme ne prend pas de vacances, l'addiction ne prend pas de vacances. Donc, si ça tombe un 18 décembre et que tu dois rentrer en thérapie, ben, c'est peut-être une question de vie ou de mort. Il n'est jamais trop tard pour te rentrer en thérapie. Donc, je pense que pour l'instant,
Ce que je peux te dire, c'est qu'avec l'argent qu'on va amasser avec le défi 28 jours sans alcool, je le sais qu'on sauve des vies. Je le sais qu'on va aider des gens à faire une thérapie. Je le sais qu'on va prévenir des problématiques de grave dépendance parce qu'on va faire de la sensibilisation et de la prévention. Et c'est à ça que sert l'argent qu'on va ramasser pendant le défi 28 jours. Alors on a quand même beaucoup d'ambition. On veut ramasser 1 million cette année. On a la chance. Moi, j'y crois. On a la possibilité, on a plein d'ambassadeurs qui font la tournée dans les médias pour parler du défi 28 jours sans alcool. Puis, si tu as juste une coordonnée à retenir dans notre entrevue, c'est défi28jours.com. C'est facile, défi28jours avec un S.com. D'autant plus que cette année, il y en a 29 dans le défi. Alors, on ne peut pas passer à côté de ça. Une journée d'extra pour les 29 ramasser. Jours ou 28 jours. Oui, on a une journée d'extra, mais de toute façon, tu sais quoi? Même avant le défi, comme après, on continue d'amasser parce que les gens, le site Internet continue de fonctionner même après le défi. Donc, on va pouvoir continuer à comptabiliser les dons puis de se rapprocher de notre objectif puis qui sait peut-être même le dépasser. Donc, c'est ça qu'on veut faire cette année pour 2024. Je ne sais pas si tu es d'accord tantôt quand tu disais qu'il n'y a pas de classe. Je te dirais qu'il n'y a même pas de classe de société qui peut amener à la, comment je peux dire ça, c'est à la consommation, qui peut amener à la dépendance. T'as pas, c'est les, je m'en allais dire, c'est les riches, c'est les pauvres, c'est tout le monde qui peut avoir cette problématique-là. Puis l'autre point, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, le rajouter, c'est pour la famille aussi, c'est pour les proches. Toi, tu l'as vécu aussi, je te dirais, d'une certaine façon. Mais c'est un cadeau à faire à nos proches aussi, à notre famille, peut-être. Tu sais, être capable de se regrouper et d'être capable de supporter. Parce que, tu sais, si tu le fais en famille, comme tu dis, ça peut être une motivation. Tu dis, garde, on y va, puis tout le monde ensemble. Peut-être qu'on a ciblé quelqu'un qu'on sent qu'il y a un petit peu plus de problématiques, mais si on supporte entre nous autres, qu'on se donne des petits trucs ou des défis internes, ben ça peut amener à une meilleure, je pourrais dire, une meilleure conciliation famille et tout, là, tu sais, là, une meilleure harmonie. Oui. Bien, c'est une très bonne idée ce que tu dis. C'est peut-être un peu l'invitation qu'on peut faire aux gens de ta région en leur disant d'écouter, faites-le en famille, faites-le en gang, faites-le avec des amis, faites-le avec des collègues, puis dites-vous que vous allez aider des gens que vous connaissez peut-être même pas, mais qui ont des graves problèmes de dépendance. Puis nous, on vous encourage à le faire, cette levée de fonds-là en gang. Puis ça peut être une activité, on appelle ça un team building, hein? C'est une question de consolidation d'esprit d'équipe, d'esprit de famille. On peut encourager les gens à le faire. Et aussi, ben, tu parlais de la famille. Ça, c'est aussi un des programmes qu'on offre à la Maison Jean Lapointe. C'est, il n'y a pas juste la personne qui souffre d'alcoolisme ou de dépendance qu'on va soigner. On va aussi accompagner la famille. On a des ateliers qui accompagnent la famille pour leur faire réaliser que la personne qui souffre de dépendance atteint beaucoup de gens autour de soi. La particularité, surtout les gens autour de toi, comme la famille, les conjoints, les conjointes, les enfants, les parents. Et ça aussi, on donne des ateliers là-dedans. Donc, tu comprends que la mission de mon père, qui a été lancée il y a 40 ans, a pris beaucoup, beaucoup d'expansion, puis elle a des ramifications dans plein de souches de la société. Et comme tu as dit tantôt, Daniel, tu as tellement raison. Il n'y a personne qui est à l'abri de développer un problème d'alcool ou d'avoir un proche qui va en développer un problème de dépendance. Donc, là, tu te dis, bien, plus on est informé, plus on a de la sensibilisation, on va offrir de la sensibilisation, plus on va dire, regarde, c'est une maladie, la dépendance. Il ne faut pas que tu l'oublies. La maladie de la dépendance, elle est très, très forte, très répandue, puis elle est potentiellement mortelle. Donc, de garder en tête qu'en faisant le défi 28 jours, ben, on va peut-être sauver des vies, on va informer le plus de gens possible, puis ça se fait aussi dans le plaisir. On n'est pas en train de dire, là, pendant un mois, tu ne bois pas, tu vas assez avoir une vie plate. Non, non, il existe des mocktails. Oui, il y a le cocktail, mais il y a les mocktails. Il y a des façons, on donne des recettes, il y a des façons de boire des drinks sans passer pour un martien parce que tu vas être exposé à faire des 5 à 7, à aller dans des événements, dans des parties de famille, puis ça se peut que tu boives pas juste du Perrier, puis une eau pétillante, puis de l'eau ordinaire. Il y a des drinks sans alcool qui goûtent bon, qui sont le fun. Il y a des vins sans alcool. Il y a plein de façons de le faire, ce défi-là, sans passer pour un martien. Puis de toute façon, oui, on fait encore découvrir le défi 28 jours sans alcool. On le fait. Il y a encore des gens qui nous découvrent, mais il y a de plus en plus de gens qui le savent, qui en ont entendu parler. Puis là, ils se disent, devrais-tu le faire? Moi, mais je ne sais pas si je vais être capable de le faire pendant un mois sans alcool. Bien, regarde, on a pensé à ça. Il y a plein de façons de le faire, le défi. Il y a la version or, argent ou bronze. Le défi or, c'est de ne pas le faire complètement. Tu ne bois pas pendant tout le mois de février, du 1er au 29 cette année. Mais tu peux le faire en version défi argent, c'est-à-dire que
on va te permettre de boire de l'alcool du lundi au jeudi. Puis si tu veux faire le défi bronze, okay, on va te permettre de boire de l'alcool la fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. Durant la semaine, tu ne bois pas. Alors, okay, on t'encourage à le faire. Donc, c'est moins épeurant de le faire pendant 3 jours par semaine, pendant tout le mois. Ça se peut que ça va faire plaisir à bien des gens qui se disent « Hey, finalement, je ne suis pas trop sûr. » Mais il n'y a rien qui t'empêche de changer d'idée. Si la première semaine, tu n'as pas bu durant la semaine, ça se peut que tu te dises « Hey, moi, en fin de semaine, je vais essayer de ne pas boire. » Puis c'est correct. Donc, nous, on est hyper inclusif. On veut donner au plus de gens possible la possibilité de faire le défi et d'atteindre notre objectif. Donc, on demande aux gens de nous aider à aider et à aider le plus grand nombre possible. Tu as répondu à ma dernière question. C'était question des petits trucs qu'on peut avoir, mais tu viens de m'en donner des très bons. Donc, on rappelle que c'est du 1er au 29 février cette année. Vous avez un minimum de 1 million à ramasser. C'est important. C'est que, non, ouais, mais c'est quand on va le voir comme ça, minimum 1 million à ramasser. On espère que ça va vraiment bien se dérouler. Puis, je suis sûre que, comme on dit, la région de la Naudière, bien, va se forcer cette année là, pour pouvoir atteindre, dépasser notre objectif puis être la meilleure région qui a contribué à ce défi. Sur ça, bien, merci beaucoup. C'est bien apprécié. Avec plaisir. Tu peux-tu me rappeler le site Internet en terminant? Oui. C'est facile. Défi28jours.com. Jour au pluriel. Donc, défi28jours.com. Puis avec ça, c'est tellement facile de s'inscrire. Toutes les méthodes, toutes les étapes sont faciles à suivre. C'est très, très, très bien expliqué. Donc, on vous encourage à faire le défi cette année pour notre 11e édition. Donc, félicitations pour ton implication, puis même dans toutes les choses que tu fais là, pour justement, je ne veux pas dire parler d'itinérance, mais faire prendre conscience de l'itinérance, de toutes ces choses-là. Je pense que c'est des très belles missions que tu t'es données au fil des années. Ah ben, ça me fait vraiment plaisir. Puis des fois, dans la vie, c'est la mission qui te choisit. Puis moi, j'ai commencé à faire du bénévolat en servant des repas puis pour les personnes de la rue. Et finalement, quelques années plus tard, je me suis retrouvé à animer une émission. Donc, on ne le sait pas, hein? Des fois, la vie est pleine de surprises. C'est ça. Ça en est une belle. Puis, je suis très content de mon implication. Puis, ce n'est pas fini. On va continuer. Bon, bien, merci. Bye-bye. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 2 janvier à 68 ans, est décédée Mme Lynn Champagne, épouse de feu Robert Allard, fille de feu Rosaire Champagne et de feu Irène Moreau, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louis Félicia Venn, Loli Vincent-Laure Perrault, Jenny Ikam Zarelli, ses petits-enfants, Jaden, Michaela, Aydia, Rana, ses sœurs, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Rose Champagne, Alain Miro, Jeanne Champagne, Guy Champagne, Colette Rondeau, Mario Champagne, Chantal Croisetière, Daniel Champagne, Sylvie Laprade, Guylaine Champagne, Laurent Sauvé, Jean Champagne, Claude Allard, Nicole Germain, Jeannine Allard, Jean-Guy Turcotte, Réjeanne Allard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 20 janvier dès 10h au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles suivront à 14h en l'église de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Madame Champagne sera inhumée à une date ultérieure. C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de Madame Lucie Saint-Antoine, survenue le 4 janvier dernier au CHSLD Le Champlain, à l'âge de 102 ans et 10 mois. Épouse de feu Anthony Bérard, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Barthélemy. Lui a précédé son fils Luc, elle laisse dans le deuil ses enfants, Dominique Bérard, Lynn Saint-Don, Marie Bérard, Marcel Livernoche, Suzanne Bérard, Yvon Sylvestre, Jacinthe Bérard, François Bérard, Huguette Savoie, Gilbert Bérard, Chantal Ferland, Denis Bérard, feu Manon Duhaime, son amie Ginette Boucher, Monique Bérard, Ghislain Wolfe, ses 14
petits-enfants, c'est 15 arrière-petits-enfants. Ses belles-sœurs, Jeannine Laurendeau, feu Gérald de Saint-Antoine, Juliette Lavôtre, feu Louis-André Saint-Antoine, lui a précédé sa sœur Marie-Claire Saint-Antoine, feu Gaétan Bastien, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille les accueillera samedi 27 janvier, 10h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Barthélemy à 14h30. Madame Saint-Antoine Bérard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 janvier, à 84 ans, décédé M. René Rondeau, conjoint de Thérèse Alain, fils de feu Émilien Rondeau et de feu Marie-Anne Majot, demeurant à Québec, natif de Saint-Gabriel-de-Brandon. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses frères et ses sœurs, feu Camille Rondeau, feu Roland Rondeau, Gérald Rondeau, feu Marie-Jeanne Rondeau-Paquin, Roger Rondeau, Robert Rondeau-Claire-Sylvestre, Thérèse Rondeau-Marcel Blanchette, Thérèse Alain, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 3 février dès 13h à la chapelle du complexe F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra la liturgie à 15h. À son domicile, le 12 janvier à 83 ans, est décédé M. Réal Coulombe, époux de Lisette Foltz, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Marie-Josée Coulombe, Patrick Leblanc, Jocelyn Coulombe, Sylvie Simard, Nina Coulombe, Martin Fafard, ses petits-enfants Gabriel, Noémie, Camille, Simon et Laurence, ses arrière-petits-enfants Pénélope, Mira, Maxence, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Normand Coulombe, Hélène Sylvestre, Jacqueline Foltz, Jean-Paul Savaria, Jean-Claude Foltz, Michel Emery, Céline Moreau, Gilles Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 4 février prochain, dès 12h30, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Au CHC, le château... Pardon. Bon, sur ça, on va passer à la pause. Allons-y. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera ensoleillé avec quelques passages nuageux. Une température de moins 8, un temps ressenti de moins 13. Jeudi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de moins 14, un temps ressenti de moins 20. Jeudi nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de moins 22, un temps ressenti de moins 29. Vendredi matin, c'est généralement ensoleillé, une température de moins 22, un temps ressenti de moins 28. Vendredi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de moins 13, un temps ressenti de moins 18. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de moins 18, un temps ressenti de moins 25. Et voilà, c'était tout pour votre météo. En ce 18 janvier, nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Au nom de toute l'équipe et à mon nom personnel, on vous remercie d'être à l'antenne et on se revoit demain.